Yo les gars, c'est Ozer, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, suite à vos nombreuses demandes. Comme vous pouvez le voir, on est en démolition sur Newton 2025. Alors, avant de commencer, ce gameplay, donc il date avant le patch des spawn fixes, donc c'était en avril. Oui, car il y a eu... le patch normal de tout début de Black Ops 2, donc les spawns étaient. Dès qu'on rentrait dans les spawns en démolition, ça changeait, ils réapparaissaient chez nous. Ensuite, il y a eu une mise à jour, les ennemis avaient des spawns, enfin, on avait des spawns fixes, c'est-à-dire qu'on pouvait spawn trap, comme dans Black Ops 1. Et au bout de 2-3 semaines, ça a été renlevé, et ils ont remis les spawns qui étaient semi-fixes, quoi, qui rebougeaient dès qu'on rentrait dedans. Donc, ce gameplay date du tout premier patch à la sortie de Black Ops 2. Voilà, on pouvait pas vraiment, vous pouvez pas crier au spawn trap vu que c'est du spawn kill. Alors voilà les gars, j'ai mis déjà les choses j'ai déjà mis les choses au clair. Donc vous pouvez voir déjà que je joue avec une AN-94, donc accessoire, cross, chargeur rapide et balle chemisée il me semble, avec le camouflage graffiti. Excusez-moi. Donc là je ne campe pas, je laisse poser les ennemis à la bombe pour qu'on puisse avoir le maximum de temps. Ça, je pense que j'ai pas tellement besoin de vous l'expliquer. À moins que vraiment vous ne connaissiez pas du tout la démolition. Donc voilà, les ennemis ont posé. C'est à ce moment-là qu'on peut commencer à les coincer. Donc moi, ma place sur ce côté-là, en attaque, en défense, pardon, c'est sur la droite. Donc quand les ennemis, enfin les alliés ont besoin d'être sur la gauche ou au milieu, ils me demandent, j'y vais. Mais moi, ma place, en principe, c'est à droite. Donc vous allez voir que... Dans ce gameplay, je vais être un peu quand même assez movible. Ça se dit, ça movible. Enfin, je vais être assez, comment dire, mobile, pardon. Putain, j'ai sorti un vieux mot. Donc voilà, je vais être assez, assez mobile. Donc vous voyez, là, je vais les aider un peu à gauche parce que je vois qu'ils ont un peu du mal. Les balles rentraient plutôt bien. Petit fail au passage. Les balles rentraient plutôt bien, mais ça aurait pu être mieux. Il me semble que c'était. Xion l'autre ou je sais plus. Donc voilà les gars, j'ai annoncé déjà le gameplay. Donc le but c'était donc à l'origine de taper les plus de 200 kills. Alors c'était une de mes toutes premières tentatives. Donc pour les plus de 200 kills en démolition c'est simple, hein. Déjà il faut une petite carte. Donc Nuketown, Slums Buff, donc Nuketown, Jackhead. Donc c'est vraiment les maps où tu perds le moins de temps de transport, c'est-à-dire à bouger pour aller dans le spawn, à poser ton insert, etc. Donc c'est les maps les plus pratiques. Après ouais c'est sûr que Nuketown là ils ont rebaissé la fréquence de... Comment dire? La fréquence où elle tombe a été baissée, c'est-à-dire qu'on tombe moins dessus tout simplement. Tout comme Jackhead. Je trouve ça dommage d'ailleurs, mais bon on va pas pouvoir polémiquer, de toute façon Treyarch ils font tout pour empêcher le spawn kill et le spawn trap, un peu comme Infinity Ward sur MW3. C'est vraiment des choses que je trouve débiles parce que bon le spawn kill au final c'est quelque chose de c'est dans le jeu quoi, ça intègre la démolition. Il y en a même en Guerre Terrestre pour vous dire. Quand tu vois les gameplays de la MP Clan c'est du spawn trap hein, je suis désolé mais c'est carrément du spawn trap. Donc là vous pouvez voir voilà, que je bombarde, je les aide un peu à gauche. c'est vraiment putain, c'est vraiment le bordel quand on regarde les ennemis. Enfin, moi je vais être clair. La première manche, les gars, je me suis chié dessus. C'est-à-dire que bah, les ennemis étaient vraiment vénères. Ils flashaient, grenadiers, UM, tout le bazar. Donc, c'est pas évident. Mais... C'est pour ça que quand tout le monde me crie dessus en disant ouais, c'est simple ce que tu fais, tu spawn qui et tout, c'est franchement, les gars, c'est vraiment pas simple. Quand vous regardez, c'est vraiment le bordel. Ils campent au fond. Enfin après vous allez me dire ils campent, oui c'est normal, ils ont pas bien le choix. Mais allez comme je me fais tuer super vite quoi, j'ai pas vraiment le choix, on doit vraiment les empêcher de bouger au maximum et les bombarder au fond. Et c'est pas vraiment évident, regardez comme ils sont vénères, ils jettent des fumigènes, des. Donc voilà. Donc les gars, j'avais un petit peu envie de vous parler d'un sujet en particulier. Donc globalement je voulais vous parler de la démolition. Et de la communauté qui critique donc la démolition et les gens qui jouent dans ce mode.
Donc en particulier, moi et ma team, hein, on se fait beaucoup, beaucoup, beaucoup rabaisser, critiquer, insulter. Pas spécialement par les gens en ligne, hein. Il y en a même qui nous félicitent quand on joue contre eux et qu'on les défonce, ils nous félicitent. Mais globalement, dans l'ensemble, on se fait vraiment insulter. Alors, je ne sais pas. Enfin, je vais pas dire que je sais pas pourquoi, je suis d'accord, moi aussi je me suis déjà fait spawn kill et spawn trap même. C'est pas vraiment agréable, ok. Mais moi et ma team, on est déjà rentré dans un gameplay, enfin dans une partie, où on se faisait spawn trap. Et ça nous a pas empêché de démonter les équipes ennemies. C'est juste que, comme l'a dit Monsieur le V12, une équipe qui a pas de niveau, c'est une équipe qui va forcément se faire spawn killer. C'est tout. C'est la logique. Quand on a l'opportunité de d'être en supériorité dans le spawn ennemi, c'est-à-dire qu'on les défonce tellement qu'on a l'opportunité de les coincer carrément et même de les spawn trap, bah, franchement, qui ne le ferait pas? Et là, je pense qu'il y a beaucoup de menteurs dans l'histoire parce que il y en a, je me rappelle, qui m'insultaient parce que je spawn killais, je les ai invités une fois et à la fin ils changeaient carrément de discours. Donc dans l'histoire, il y a carrément des menteurs. C'est-à-dire que ceux qui en font jamais ou qui en ont fait et qui se sont fait démonter, bah ils sont super vénères. Et puis une fois que tu leur fais découvrir ça, ils voient que voilà, ils lâchent 4-5 chiens dans la partie, des micro-stations à foison et tout. Bah là, ils sont contents, c'est pas le même avis, c'est quand t'es pas dans le même camp, c'est pas pareil quoi. Donc voilà les gars, il faut vraiment changer cette mentalité-là parce que c'est vraiment pénible, hein. La démolition, c'est pas offert à tout le monde et c'est pour ça que je vous dis, moi j'en fais depuis Modern Warfare 2. Ok, donc depuis la démolition sur Modern Warfare 2. Je m'étais pris la tête avec un gars sur Black Ops 2 qui se croyait pour un ouf, alors qu'il venait de commencer sur Black Ops 2, le spawn kill. Je lui ai dit qu'il ferme sa gueule, qu'il fasse pas le mac avec moi, parce que j'en fais depuis longtemps, donc il y a pas à m'apprendre des trucs quoi. Donc je lui ai gentiment dit, ferme ta gueule, voilà, j'en fais depuis Modern Warfare 2, tu vas pas m'apprendre des trucs. Il m'a sorti qu'il en faisait depuis Code 5. Alors bah, je l'ai remballé direct en lui disant que sur Code 5 il n'y avait pas d'insertion tactique ni de démolition. Vous savez ce qu'il m'a fait? Il m'a kické et il a dit à tout le monde de me supprimer. C'est pour dire à quel point c'est un trou de balle. Enfin, voilà les gars, il faut pas avoir la rage, au contraire il faut dans ces modes genre la démolition maintenant il y a tellement d'Espagnols, d'Américains. Justement c'est comme je vais prendre l'exemple de la rage, même si je suis pas fan. Il faut soutenir les Français qui se débrouillent pas trop mal dans ces modes. On représente quand même voilà la communauté française et je trouve ça dommage que entre nous on se prenne la tête, on s'insulte. Parce que ouais, en démolition, il faut vraiment une bonne équipe de 6 joueurs avec un micro si possible. Ou alors s'ils n'ont pas de micro, il faut savoir que. Enfin, il faut comprendre que. Il faut que les alliés qui ont pas de micro, il faut qu'ils comprennent comment on joue. Donc en général, s'ils ont pas de micro, c'est qu'ils savent un minimum jouer, parce que sinon je les prends pas. Donc il faut des bons joueurs qui connaissent les spawns, qui savent où se placer sans modifier les spawns. Ça c'est important parce que sinon bah, vos gameplays sont foutus. Puis c'est un coup à se faire péter les séries vraiment bêtement. Ensuite il faut donc une insertion tactique. Un placement, une bonne organisation, de la communication. Donc, j'entends par organisation, c'est chacun à sa place. C'est pas je vais à droite, je vais à gauche, je bouge, je prends le spawn de lui, Jacques il prend le spawn à Robert. Non, c'est pas ça. C'est chacun sa place, on les coince. Regardez là, vous pouvez voir qu'il y en a dans le garage, dans la cuisine. Moi je suis sur la droite. Et voilà, c'est comme ça que ça roule. Si tout le monde fait comme il veut, c'est pas possible. Donc c'est pour ça que moi des fois je m'énerve un peu sur mes coéquipiers, c'est pas. J'ai rien contre eux, c'est pas méchant, je les adore, mes coéquipiers, ma team, je les adore, mais c'est juste que des fois ça m'énerve que voilà, qu'ils se placent pas. Donc voilà, vraiment les gars, si vous voulez aller en démolition, il faut vraiment déjà avoir une bonne team, une bonne équipe. Bah après moi j'ai déjà réussi à faire des très très bons gameplays en étant tout seul, hein. C'est juste qu'il faut tomber sur le bon lobby. Et puis je vais vous dire, depuis Black Ops 2. Bah la démolition c'est plus vraiment ce que c'était en fait. Tout simplement parce que comment dire, il y a tellement de choses qui sont faites pour empêcher ça. Alors bah il y a déjà donc les patchs que font Treyarch,
Pardon pour le bruit du micro si j'en ai fait. Il y a déjà les patchs que fait Treyarch, donc les spawns pas fixes. Ça, c'est vraiment pas top. Il y a les grenades IEM qui te pètent tes insertions à 4 km. Les grenades flash qui durent 10 jours. Les paralysantes qui durent 10 jours également. Les détecteurs de cible qui enlèvent le recul, qui permettent de viser plus vite. Enfin, il y a un ensemble de choses qui permettent aux ennemis les plus nuls de péter les séries des spawn killers. Donc c'est vraiment un truc qui me fait rager, mais d'une force. Je vous laisse imaginer à quel point ça m'énerve de me faire tuer un ou deux du groupe de chasse ou du nucléaire à cause d'un détecteur de cible avec robustesse, l'atout bien cheaté. Donc voilà, moi je me force un maximum à jouer avec pillard, des trucs normaux qu'il y a sur les autres Call of. Tout simplement parce que je pense à l'avenir. C'est-à-dire que moi je me dis, mais sur le prochain Call of, comment ils vont faire les gens? Il n'y aura plus de détecteur de cible, il n'y aura plus de grenades IEM, il n'y aura plus toutes ces merdes. Comment ils vont faire? C'est simple, je disais la même chose aux gens sur Modern Warfare 3. Je leur ai dit, mais bande de cons, lâchez vos drones portatifs de merde. Sur le prochain Call of, il n'y en aura pas, vous allez faire comment? Vous allez plus pouvoir jouer, les gars. Bon, voilà, bon, je vous laisse imaginer, je me faisais insulter de tous mes noms. Hein, bon. Mais ils sont arrivés là, les mecs, ils ont dû être dépaysés, quoi. Plus de radar portatif. Donc là, ça va faire la même. Je sais pas comment ils vont faire. J'espère que sur Call of Duty Ghost, ils vont vraiment changer ce truc. Parce que j'en ai marre de. Je sais que je suis supérieur. Je veux dire que j'ai plus de niveau que les gens en face. Mais parce qu'ils utilisent un accessoire ou une arme, eh ben, ils ont l'avantage sur moi. Et ça me rend dingue. D'ailleurs, je pense que ça rend dingue beaucoup de monde. Quand tu vois qu'au début de Black Ops 2, on était plus de 800 000 joueurs en ligne, et qu'à l'heure actuelle, en pleine semaine, dans la journée, on est à peine 200 000. Alors, vraiment, les gars, il y a un problème quelque part. Mais ce que j'avais vraiment aussi envie de dénoncer sur ce Black Ops 2, le plus gros problème que j'estime être à l'heure actuelle, c'est donc la connexion. La connexion, pas dans le style où les balles rentrent pas, où les autres sont mal choisis. Ça, pas du tout. 95% du temps, la connexion est très bien, les balles rentrent super. Mais j'entends par là la connexion, c'est-à-dire Black Ops 2, pour moi, c'est le Call of Duty avec le système de lobby le moins performant que j'ai jamais vu. Excusez-moi. Donc, dans les lobbies, quand on lance par exemple de la démolition, il y a souvent des accueils où il y a deux ou trois personnes, donc faut attendre. Il y a souvent des personnes qui rejoignent la partie qui quittent direct. Ça, donc c'est pas ça, c'est la communauté bizarre. Donc on peut pas vraiment se mettre ça dans la connexion. Mais donc le plus gros problème, c'est il y a personne qui rejoint. Ça, c'est un truc de fou. Je suis allé sur MW3. Sur Modern Warfare 3, sur Black Ops, et même sur MW2, sur ces trois jeux-là, ça rejoint plus vite que sur Black Ops 2. Donc rien qu'un exemple, je suis allé en Money in the Dank sur MW3, dans les modes spéciaux là. Sur PS3, MW3, il y avait 450 personnes dans le mode MITD. On est d'accord? J'ai lancé le mode, j'ai lancé une MOAB, les 5 ont rage quit, il en restait plus qu'un. C'est à ce moment-là que j'ai lancé mon chronomètre. Il a fallu exactement 7 secondes pour qu'un ennemi commence à rejoindre. Sur Black Ops 2, en démolition, il y a 9 000 personnes, voire 8 000 en moyenne. Ok? J'ai lâché des groupes de chasse. Il y a 6 ennemis qui ont quitté. J'ai lancé mon chronomètre. Il a fallu 17 secondes pour que les premiers ennemis arrivent. Bien sûr, le temps pour déclarer forfait est de 20 secondes. Donc au bout de 17 secondes, il reste 3 secondes. L'ennemi n'a pas le temps de se connecter et la partie est finie. Donc c'est là qu'il y a vraiment un problème. Et il n'y a pas longtemps, Treyarch avait fait une mise à jour qui avait arrangé ce problème. Ils y ont laissé 4 jours. Il y a eu une mise à jour des sélections. Et hop, c'est revenu comme avant. Personne rejoint. Donc c'est vrai que c'est assez emmerdant parce que finalement j'ai des gameplays sur Nuketown où j'aurais pu taper les plus de 300, je dis bien les plus de 300, simplement parce que ça quitte et ça ne rejoint pas. Donc c'est vraiment un truc que je comprends pas parce que sur les autres Call of, les anciens, ça rejoint mais
parfaitement, il n'y a aucun problème. Ça rejoint donc dans la minute. Et sur ce Black Ops 2, qui est le Call of Duty actuel, donc les serveurs sont entretenus, un minimum, je veux dire, ils font des mises à jour, des patchs, etc. Et ils n'arrivent pas à résoudre ce problème donc de join en partie, quoi. Donc ça, je comprends vraiment pas. Bref, les gars, la partie vient de terminer. Donc vous pouvez voir mon score, donc c'est une des parties que j'avais commencé à tester les plus de 200 kills, donc c'est pas vraiment un score de ouf. Enfin, 175-14, pardon, c'est quand même un bon score, je vais pas me le cacher. Mais en fait, les gameplays, je vais y aller crescendo. C'est-à-dire que là, je vous mets ça, après je vais monter dans les 190, 200, etc. Et donc, je vais vous laisser là, les gars. J'espère que vous avez tout bien compris à ce que je voulais vous faire passer. Aussi, je voulais lâcher un petit message. Je vais essayer d'envoyer cette vidéo à Le Bon Plan du Geek. J'espère qu'ils vont m'accepter. En tout cas, s'ils m'acceptent, bah, merci à eux. Je vais également faire la demande à Code QG. Donc voilà. En attendant, les gars, je vous souhaite une bonne journée. Pour ceux qui sont en vacances, de bonnes vacances. Moi, je suis en vacances. Donc voilà. Ciao, les gars. Prenez soin de vous.